Bienvenue dans Tennis, l'émission numéro 8. Je vais vous faire découvrir les coulisses des derniers Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters. Bonjour Guy, comment Bonjour. Ça va? Très très bien. Tu avais gagné en 91, aujourd'hui tu es directeur du tournoi. Qu'est-ce qui a le plus évolué entre à ton époque et maintenant? J'ai beaucoup vieilli. Non, je dirais que vraiment la magie de cette salle, c'est son public. Le show, on le sait, est quand même bien différent de celui de Roland-Garros. Les matchs sont beaucoup plus courts, beaucoup plus spectaculaires. Donc, il se dégage une énergie, je dirais, dans cette salle qui est absolument incroyable. Et je retrouve par moments, justement, quand je vois évoluer les meilleurs joueurs du monde, des souvenirs, des images, des flashbacks de Pete Sampras, de Jim Courier, d'André Agassi, de tous ceux qui ont gagné, d'ailleurs, ce tournoi ici, après moi. Donc, c'est une salle mythique et c'est toujours beaucoup d'émotions de la retrouver chaque année. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est le dernier Masters 1000 de la saison, quels sont les enjeux? Les enjeux, il y en a plusieurs d'ailleurs sur cette fin d'année. C'est le dernier Masters 1000. Alors, les Masters 1000, il faut le rappeler, c'est les 9 plus gros tournois de la saison après les 4 ans du Grand Chelem. Donc, c'est des tournois qui sont presque obligatoires pour les joueurs puisqu'ils sont en général tous présents ici. Et cette année, on a la particularité d'avoir la place de numéro 1 mondial qui risque de se jouer entre Nadal et Djokovic, puisque mathématiquement, l'un comme l'autre peuvent accéder à ce Graal. Et puis, bien entendu, comme chaque année, les dernières places allouées pour le Masters, l'ATP Tour Finals de Londres, viennent se gagner ici. Donc, parfois, pour la 5, 6, 7, 8, fois 8e place, c'est ici que les joueurs arrivent à en découdre. Donc, tout ça fait que, et en plus, bien sûr, j'allais oublier, malheur, finale de la Coupe Davis à Lille, avec un capitaine de Coupe Davis qui sera présent, avec Loïc Courtois, Cédric Pioline, et les joueurs français, on l'imagine, vont avoir... envie de montrer à leurs sélectionneurs leur meilleur visage parce qu'on a bien sûr envie, quand c'est à la maison, de jouer un match comme celui-là. Et maintenant, je vous emmène à la découverte de Fiona Ferro qui vient d'intégrer le top 100. Cette année, j'ai eu beaucoup plus de constance. Je pense que c'est pas juste une seule chose qui a fait ça, c'est l'addition de plein de petites choses. J'ai l'impression d'avoir gagné 1 mètre de longueur avec ma nouvelle raquette. Après aussi, j'ai un meilleur équilibre, je pense, dans la vie. Et sur le court, je me sens beaucoup plus relâchée. Donc ça a contribué à ma progression au classement. Ça fait un an que je travaille avec Fiona. C'est sûr qu'elle arrive de très loin. Elle était 340 au mois d'octobre l'année dernière. Elle est centième aujourd'hui. Son jeu était trop sur la défensive, donc on a travaillé dessus. Vu le tennis d'aujourd'hui, il fallait qu'elle développe un petit peu son jeu vers l'avant. Elle a encore des marges de progression énormes dans pas mal de domaines. Physique, le mental, le service. Elle a encore beaucoup, beaucoup à faire. Pour moi, une année 2019 réussie, ce serait de continuer cette progression en continuant à bien jouer relâché. J'ai pu voir cette année que j'étais capable d'accrocher des joueuses du top 20 ou du top 30. Donc voilà, c'est d'essayer d'aller les battre l'année prochaine. Clara Burel et Hugo Gaston ont ramené 5 médailles des Jeux Olympiques de la jeunesse, dont une d'or et d'argent. On les écoute. Et voici, argent en simple et bronze en double mixte avec Hugo. Or en simple, bronze en double et bronze en double mixte. Très heureux de ramener 3 médailles en France. Surtout ramener l'or en simple, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'était un objectif avant de partir de ramener une médaille, mais ramener la médaille d'or, c'était vraiment
vraiment la chose la plus parfaite qui pouvait se passer. Elle représente beaucoup, ça représente une belle année pour moi. Même si j'ai pas réussi à avoir l'or, ça reste quand même médaille d'argent. C'est déjà quelque chose de bien, donc je suis super contente d'avoir remporté ces médailles. Forcément, beaucoup d'émotions en tant que porte-drapeau et en tant que vainqueur du tournoi. C'est des moments qui se reproduiront peut-être jamais dans notre vie, donc j'essaye de profiter de chaque moment. C'était vraiment une atmosphère différente. On n'a pas vraiment l'habitude, nous les tennismen en sport individuel, d'avoir ce genre d'ambiance, d'atmosphère. Donc c'était vraiment une super semaine. On s'y est vite habitué quand même, mais vraiment, vraiment sympa de partager des moments comme ça avec d'autres athlètes. On représente la France. Quand on est sur le terrain, on ne s'en rend pas forcément compte, mais des fois, un peu quand on regarde le t-shirt qu'on porte, ça donne un peu plus d'énergie, ce petit plus qui peut t'aider sur chaque match. Paris 2024, c'est un objectif, mais bon, il y a beaucoup de travail pour y arriver. Oui, c'est sûr, ça donne hyper envie quand tu reviens d'une expérience comme ça, de vivre la même, mais chez les pros, en plus à Paris en 2024, ça peut vraiment être quelque chose d'incroyable. Donc ça donne vraiment envie. Clara, on vient de te quitter avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Là, tu rentres avec une première place mondiale. Premier titre de la saison, j'imagine que c'était une aventure incroyable. Ouais, c'était vraiment génial en Chine. Là, je suis vraiment super contente d'avoir remporté mon premier titre cette année, après quelques défaites assez compliquées, donc c'est vraiment un soulagement. Est-ce que tu t'es surprise ou non? Tu as vraiment le sentiment d'avoir joué tout simplement ton jeu? Non, franchement, j'ai pas joué mon meilleur tennis, mais je pense que c'est la fin de la saison. Toutes les filles n'ont pas joué leur meilleur tennis non plus. C'était plutôt, je pense, dans la tête que c'était assez difficile à gérer ce dernier tournoi, la fatigue, l'enchaînement des tournois. Donc, pas le meilleur tennis, mais de belles bagarres. Comment tu vois cette fin de saison? Quels sont les objectifs? Est-ce que t'as tu penses aller peut-être à l'Orange Bowl, à l'Edier? Tu veux bien évidemment, j'imagine, finir numéro 1 la saison, peut-être gagner un titre du Grand Chelem l'année prochaine. Comment tu vois la suite? La suite, j'ai pas encore vraiment eu le temps d'y réfléchir, mais j'aimerais assurer ma place de numéro 1 jusqu'à la fin de l'année. Donc peut-être faire un tournoi si besoin pour la conserver. On se revoit en fin d'année puis on fête le titre? Ouais, exactement. Cette année encore, grâce aux entraides rêves, 30 enfants vont pouvoir accompagner les joueurs sur le court central. Comment ça va? À quelques minutes de rentrer sur le terrain? Bien, parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Comment vous êtes répartis les rôles entre Adrian Manarino et Hugo Humbert? Quel a été ton choix? Manarino, moi, c'était un joueur français que j'aimais beaucoup. Et Hugo Humbert, Cassandre, elle l'aimait beaucoup aussi. Voici Hugo Humbert. Quand vous allez rentrer là justement sur le terrain, il va y avoir quoi? Une petite émotion, le cœur qui va un petit peu plus vite que d'habitude. Vous savez à quoi vous allez penser? Après moi, il y a mon cœur qui commence à battre vite quand je tiens la main d'un joueur. Et maintenant, je vous emmène à Poitiers découvrir le Pôle France. Je m'appelle Giovanni Mpeci-Péricard, j'ai 15 ans et c'est ma quatrième année au poste de Poitiers. Je me lève à 7h, j'ai les cours à 7h45. Ensuite, on termine vers 10h45. Ensuite, on a un quart d'heure pour se changer et on file à l'entraînement. Poitiers, c'est pour la fédération un pôle France, donc qui accueille les meilleurs joueurs français. Ils arrivent à l'âge de 13 ans et ils en repartent à l'âge de 16. Pour aller sur la suite de la structure fédérale qui se trouve au CNE à Paris. Allez, go! Bien! Ok! Très bien. Mes objectifs à court terme seraient d'avoir mon premier point ATP. Ensuite, à moyen terme, gagner un tournoi du Grand Chelem Junior. Bien. Et à long terme, c'est d'être professionnel, bien. Faire partie des meilleurs à l'ATP. Ok, très très bien.
Le Krebs de Poitiers, c'est un pôle assez emblématique. Plusieurs joueurs ont été formés ici, hein. De nombreux joueurs de Coupe Davis. Donc c'est une structure pour nous qui a une histoire et sur laquelle nous, en tant qu'entraîneurs, on peut s'appuyer. Il y a les pensionnaires à l'année, donc les jeunes du Pôle France. Et puis en même temps, on peut accueillir sur certaines semaines des stages nationaux. Nous, on est là sur le Krebs de Poitiers pour des stages nationaux. Et donc on vient sur des périodes de 3-4 jours faire des rassemblements qui permettent de faire s'entraîner les meilleurs joueurs français ensemble. C'est une période de travail très intense, ça lui amène aussi beaucoup de motivation. Et pour les entraîneurs, c'est un moment d'échange. Ça permet de confronter nos points de vue et d'apprendre les uns des autres. Donc c'est très intéressant. Ce qui nous semble vraiment important, c'est de développer le goût de l'effort. Et puis toutes les valeurs qui en découlent, la détermination, l'humilité. Parce que finalement, la place est chère pour le très très haut niveau. Donc ces valeurs qui tournent autour du travail sont pour nous les plus importantes. Et maintenant, un sujet sur les petits. Nous sommes allés à Creil assister à une séance Galaxy 3-4 ans. Allez, une balle chacun. Allez, vous venez. On lance la balle au-dessus de la tête et on la rattrape à deux mains après un rebond. Et on bouge, et on bouge. On ne doit jamais s'arrêter. Depuis maintenant 2 ans, nous distribuons des flyers aux rentrées scolaires. Et donc avec succès, puisque nous avons dans la section Galaxy Tennis un peu plus de 30 enfants depuis 2 ans. Tac, 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 hop, à toi. On essaye de ne pas toucher les petites lattes. Si on met les pieds sur les lattes, on a perdu. Le Galaxy 3-4 ans, effectivement, nécessite beaucoup plus d'attention de la part de nos enseignants. T'es obligé de marcher sur la ligne, en équilibre. Une attention de tous les instants, de manière à ce que les enfants puissent, pendant la durée de la séance, être captivés en permanence par ce qu'ils font. Regardez, on va prendre une balle, une seule. Et le plus vite possible, je vais aller la poser sur le premier plot. Je prends la balle, je la pose. Je prends la balle, je la pose. Et je tape dans la main de mon copain. Il faut toujours les mettre en éveil, diversifier les activités, ne pas rester trop longtemps sur une activité ou sur un exercice, sur un travail, et sans cesse faire évoluer les situations et énormément de comptage de points pour les garder concentrés. Allez, tu sautilles, tu sautilles. Il faut leur apprendre à sentir le rebond, la lecture de trajectoire, la vitesse de réaction, la frappe de balle. Pour moi, c'est essentiel à l'apprentissage du tennis. Et pour rester fidèle au tennis, il faut savoir jouer au tennis. Un point. Pour avoir des aides pendant la séance, c'est tout simplement les parents. Je leur demande de venir m'aider, m'épauler pour diviser les groupes et qu'il y ait un maximum de répétitions par enfant dans l'heure. Encore, pas fort Aurèle, on regarde. L'objectif avec ce public, c'est vraiment de le fidéliser, c'est de lui faire aimer le tennis, que ce soit dans le loisir ou dans la compétition. Mais évidemment, c'est d'essayer de détecter le plus rapidement possible un enfant qui serait doué pour ce sport. Encore, laisse les pieds par terre. Fort. Ce qui nous motive, c'est trouver une alchimie. Voilà. La pratique du tennis pour le plus grand nombre, dont les tout-petits. Et ensuite, trouver également le futur champion qui peut s'épanouir sur des structures de terre battue, donc en relation avec Roland Garros. Bonjour. Bonjour. Ok, ça va? Un bon ramasseur, c'est quelqu'un qui est discret sur le terrain. Faut pas que les joueurs le remarquent. Faut qu'il soit rapide et c'est les qualités les principales. Et après, faut qu'il maîtrise les gestes d'un ramasseur, c'est-à-dire le rouler. Faut qu'il soit rapide, plat et précis. Ceux qui sont là, c'est un peu les meilleurs de Roland Garros. On est un petit peu plus de 50. Est-ce que vous pouvez me raconter une journée type? Le rendez-vous ce matin, c'était à 10h. Et on fait des rotations toutes les demi-heures. Et pour les night sessions, tout le monde ne la fait pas. Il n'y a que 3 équipes qui restent jusqu'à tard le soir. Il y a Roland Garros, il y a le Rolex Paris Masters. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous fixez dans l'année? Après, on peut être sélectionné pour la Coupe Davis. Donc j'ai été sélectionné pour la finale qui se passe à Lille. Il y a des échanges aussi à l'international. Il y en a avec l'Australie et la Chine. Moi, je reviens de Chine, je suis revenue en début octobre. Et on était 4 ravasseurs de Roland Garros à partir en Chine 2 semaines.
continue la série des premiers clubs et cette semaine, on va aller au SC Beaucouzé, le premier club de Nicolas Mahut. C'est un club qui a plus de 50 ans presque même, qui a actuellement 230 adhérents et une équipe dynamique qui s'engage aussi bien sur les animations que pour la partie d'éducation qui met tout en œuvre également. La philosophie du club, c'est d'avoir une ambiance familiale. La jambe droite devant, voilà. Vas-y, fais ton mouvement. Là, allez, attitude. Je suis un peu tahitien et il faut qu'il y ait toujours cette notion de plaisir, de faire des animations avec la guitare, tout ça. Et c'est ça, pour moi, la vie du club, c'est ça. Jambe droite. Bien, ça. Et je me replace au milieu. Ce club, c'est très familial. C'est là où toute la famille jouait, c'est là où Nicolas a commencé à taper la balle. Il était tout petit, il embêtait tout le monde pour jouer avec lui et les gens en avaient un peu marre, donc il faisait du mur toute la journée, il tapait dans le mur. Et je pense que c'est de là qu'est venue sa disposition pour jouer à la volée et faire le double. Dans sa famille, tout le monde jouait au tennis, donc il était tout le temps sur les courts de tennis. C'était un teigneux. Teigneux, c'est-à-dire qu'il était toujours prêt à jouer, il avait un don naturel déjà, il avait des prises déjà de raquettes que nous, on n'avait pas. Il était capable de faire des choses que tous les autres enfants ne pouvaient pas faire. À cette époque-là, on avait 1h30 d'entraînement. La première demi-heure était basée sur l'entraînement physique. Donc Nico, il arrivait toujours après la demi-heure. Alors, on a trouvé la solution, c'est qu'on jouait au tennis au départ, et après, on faisait l'entraînement physique après, donc il était obligé de rester. On espère que tous nos jeunes puissent avoir la chance d'avoir le même parcours que Nicolas. C'est un moteur pour tous nos jeunes. Tennis, l'émission numéro 8 est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.